bien et bienvenue, bienvenue pour notre survie du week-end qui est potentiellement pas le week-end, ça dépend. Si vous êtes membre de la chaîne, vous pouvez voir les vidéos en avance pour seulement 4,99. Voilà, donc j'ai fait ma petite vente, maintenant on peut commencer. Donc, il est... ça va, il n'est pas encore midi, on est en pleine forme, il faut qu'on boive. Buvons. J'ai l'impression que le son est extrêmement fort pour moi parce qu'elle fait des bruits très étranges. Buvons, donc on n'a plus le problème de l'enfermement, donc ce qui est très bien. Nous avons plein de trucs. Par contre, on a un super beau temps. Donc tout est clair en fait. Tout est très... comment dire, lavé, genre les couleurs. Oui, c'est très... J'aime bien de temps en temps comme ça. Par contre, il fait froid. Oh, ouais. Il fait froid, donc il faudra reprendre ça. Ça c'est tout neuf en fait, donc on va le garder. Ah oui, c'est parce que j'avais laissé des choses, qu'on était lourd, je crois. On était un peu lourd. Par contre, on n'a pas de nourriture, je crois bien. On a zéro nourriture. On a zéro nourriture, donc ce qu'on devrait faire... on va aller récupérer... Il fait froid, ça le problème en fait. Le problème c'est qu'il fait très froid dehors, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer des steaks ou alors on essaye de faire du feu à l'extérieur. Est-ce qu'ils ont peur du feu, les loups gris? Honnêtement, c'est vrai que je me suis pas assez documenté sur les loups gris. Ouais, non, je me suis pas assez documenté. Je ne sais pas s'ils ont peur du feu, je ne sais pas si... enfin, des choses comme ça. On n'a pas vraiment... J'ai cru qu'on avait plus de bois de côté, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Parce que, à la limite, j'étais en train de penser, faisons du feu près des carcasses. Vous savez où on a tué les... Sur le pont, on a tué les trois loups. Parce que ça serait le top, au final. Donc, ouais, non, ça serait vraiment le top. Ce qu'on pourrait faire, c'est casser peut-être des trucs ici, mais ça va prendre du temps. Ok, les tables on peut pas, la chaise oui, c'est une chaise métallique ça. Ouais. J'ai vu qu'il y avait la petite caisse là-bas, mais bon, c'est pas assez. Genre il nous faudrait au moins 5 heures de feu. Il nous faudrait au moins 5 heures de feu, on peut faire ça. Ça en fait beaucoup pour 39 minutes, ça c'est pas mal ça. Si vous trouvez des planches, les planches ça vaut le coup, les planches ça vaut vraiment le coup. Palette, c'est un peu moins, c'est 3 pour 29 minutes. Mais bon. Maintenant, on a trouvé un moyen pour réparer nos objets, donc honnêtement, c'est pas si mal. Voilà. Je voulais aussi parler de vite fait. J'ai eu des commentaires en disant qu'il y a des gens qui ont été surpris. Parce qu'il y a des nouvelles personnes, on va dire, depuis que j'ai fait les streams sur The Long Dark, une nouvelle personne qui commence un peu à suivre et tout, la survie du week-end et tout. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup de regarder. J'espère, à chaque fois j'essaye de toujours donner des aides et tout ça, des petites choses pour aider. Donc si jamais vous avez des problèmes avec le mode d'intrus, j'espère que ça vous aidera. 1h30. Ouais, non, on va sortir. Et il y a des personnes qui m'ont dit qui ont été surpris, par exemple, genre des loups qui faisaient pas de bruit et tout ça. C'est vrai qu'il y a deux épisodes, on a eu plus ou moins la même chose. Par contre, il y a du vent. Attendez, est-ce qu'on a... on a eu plus ou moins la même chose. Il y a deux épisodes avec un loup qui m'a complètement surpris, en fait. Et j'ai plaisanté sur le en commentaire en disant que c'est... Donc, Interland... C'est quoi, ça? Interland, c'est... cool. C'est le nom des développeurs. Attends, je fais un peu attention au bruit parce que... Il y a quand même des loups gris hein, dans la zone. Interland, c'est le nom des développeurs, et sur le Discord et sur mes streams, on a tendance à les appeler Interzda.
Parce que Bethesda, hein, on connaît tous, même si vous aimez les jeux Bethesda, tout ça, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je les aime. Mais on sait très bien que Bethesda, quand ils font des mises à jour sur n'importe quel jeu, ou alors même quand ils sortent... Quand ils sortent leur jeu, il y a toujours des bugs. Et le problème, c'est que parfois, c'est des bugs vraiment tout bêtes qui peuvent être résolus en testant le jeu genre 5 minutes, quoi. Nous, on a trouvé des bugs au bout de 2 minutes. Pendant, par exemple, le... pour l'événement du Dark Walker et tout ça. Donc c'est très simple, c'est des bugs... C'est ça qui est un peu embêtant, c'est que c'est des bugs tellement bêtes, on se demande comment ils peuvent passer le test, quoi. Parce que bon, il faut bien tester le jeu avant de le mettre... Enfin, il faut bien tester la mise à jour avant de la mettre, de la publier, je pense. Attends, on peut pas passer par là, c'est chiant. Donc je pense... Et du coup, c'est vrai que Interland... On peut pas les défendre sur ce cas-là, parce que eux aussi, ils font des bugs. Et c'est souvent des bugs très très cons, et qui prendraient vraiment très peu de temps à fixer, ou alors à s'en rendre compte. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur The Long Dark, j'avoue que il y a des bugs à chaque mise à jour. Donc faire attention à ça. Par contre là, on n'est pas protégé du vent, parce que le vent il est juste là. Je voudrais bien en fait être réchauffé en même temps. Mais on va pas pouvoir le faire. Là ça va me dire qu'il y a trop de vent là. D'accord. Parce qu'à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est le découper les cadavres et prendre les sacs. Là, on est bon, mais là, on est en pente. Ah là là, ça me détend. Comment un igloo? J'ai pensé à un igloo aussi. Tu veux pas... C'est combien? Nécessite 15 bâtons... Merde, oh là là, j'arrive pas à lire, c'est du blanc sur blanc. 15 bâtons et 5 morceaux de tissu. Parce que ce qu'on... Ah ouais, non, mais le feu, il sera toujours pas protégé de toute façon. Donc ça va pas vraiment nous aider, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. On a tout fait... Alors est-ce que là on peut trouver un petit endroit tranquille, protégé du vent? Non, pas vraiment. Je sais même pas si ça vaut le coup, en fait, honnêtement. Mais on a besoin de nourriture, donc on va peut-être un peu... C'est peut-être du gâchis, ce que je suis en train de faire. Peut-être du gâchis. Un truc que j'aurais dû faire aussi, c'est regarder combien il fait. Moins 9, ça va, non, c'est pas trop... on va faire ça... donc tout ça pour dire que voilà, je propose même, je conseille même de jamais mettre genre mise à jour automatique pour The Long Dark. Je l'ai toujours dit ça sur mon Discord et à tout le monde. De jamais mettre mise à jour automatique, de choisir soi-même quand on met la mise à jour. Parce que des fois ça peut merder vos sauvegardes, ça peut merder votre jeu. Par exemple, vous avez vu que pendant un mois, un peu moins d'un mois peut-être, non un mois je pense. On a eu un problème avec les temps de sauvegarde où le jeu frisait. Et il n'y avait aucun moyen en fait de... Il n'y avait vraiment aucun moyen de trouver une solution, quoi.
Voilà, on a récupéré un peu de chaleur. Vous avez vu, en bas à gauche, on a récupéré un cran de chaleur, genre presque la moitié de la barre. Donc ça, c'est bon. Par contre, il fait quand même bien froid. Donc même, genre, boire du chaud, ça vous donne le buff, réchauffement. Mais aussi, ça va vous donner une portion de chaleur de barre. Donc c'est cool. Du coup, il faudrait aller prendre quand même un steak. Ah, le vent s'est arrêté. Le vent s'est arrêté. Ah, le vent il s'arrête juste maintenant, quoi. Oh là là, le troll. Oh, le troll suprême, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une torche et on va refaire un feu en bas. Ah, le troll suprême. C'est pas grave. Mais voilà. Et maintenant, vous avez vu qu'on n'a plus le problème de freeze avec la sauvegarde. Donc ça vient pas de vous, ça vient d'eux, hein, à chaque fois. C'est un peu ça, le problème. Ça vient pas de votre système, ça vient pas de vous. C'est pas votre... Est-ce que le vent se... Non, c'est bon. Je pense que ça devrait être bon. Là. Ouais, ouais, c'est bon. Ça vient pas de vous, ça vient d'eux. Hein, comme c'est comme les couples à problème. Je te quitte, mais c'est pas toi, c'est moi. Tu vois, c'est c'est la même chose. C'est la même chose. On va prendre plusieurs torches. Pourquoi? Parce que ça nous permet de récupérer des bâtons, déjà. Donc c'est pas totalement perdu, le feu, les bouts de bois qu'on a mis dedans. C'est pas totalement perdu. Et après ça fait des torches aussi. On va le garder ce feu quand même. On va faire ça. Honnêtement, on va se mettre là. Genre, ça nous fera une protection. On se mettra genre derrière le feu. Si jamais ils arrivent, par exemple, ils arrivent devant nous, on se mettra là et on tirera des flèches. Et après, on fera comme à la Zelda. Si on tire une flèche à travers le feu, la flèche va s'enflammer. Je viens de dire une connerie, hein, au cas où. Pour ceux qui me croient, pour de vrai. Pour de vrai. Des conneries, hein. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça serait cool. Ça serait cool. Mais ça marche pas. On va sortir l'arc aussi. Attendez, pour faire ça plus facilement... Par contre, on va peut-être ranger l'arc, en fait, c'est relou. Comme ça. Enfin, quoi que non. J'arrive pas à le ranger parce que je vais trop vite, en fait. À chaque fois, il faut rebander l'arc. 45 minutes, ok, très bon. Ah, ce qu'on va faire aussi, comme d'habitude... J'y pense, on va mettre deux trucs comme ça. Bon, range-la. Ça me saoule, ça prend du temps. On va les faire chauffer, les réchauffer, comme ça ils brûleront pas si on les met à côté du feu. Et comme j'ai dit, il y a toujours ce bug, faire attention, parce que quand je vais passer là les 30 minutes, ça va sûrement dire que les thés sont froids, mais c'est des conneries. Hein. C'est des conneries. Bon, ça va, ça a été peut-être corrigé alors. Parce que j'ai vu une petite mise à jour entre temps. Donc ça a été peut-être corrigé. Mais vous avez vu, on l'avait vu la dernière fois, le dernier épisode. On a encore 10 minutes. 10 minutes, on va faire ça. Recycler, très bien. Quoi dire d'autre? Donc dans cette zone, on va pas faire grand-chose, honnêtement. Là, je perds un peu de temps, on va juste récupérer un peu de la nourriture et tout ça. On va faire un camp, on va mettre de la nourriture si jamais on doit revenir un jour, comme on avait vu par exemple avec tout plein d'eau. Mais honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Je vais être honnête, il n'y a pas grand chose à faire. Donc bon. Donc ouais. Et aussi les outils, on peut les réparer avant de partir. Il faudrait trouver du métal.
Et on les répare s'il y a une aurore boréale. On pourrait faire ça. On va essayer de couper le plus possible de viande. Pendant qu'on a chaud. Très bien. Ça va vachement vite hein, de faire ça, comme je fais moi. Sinon après il faut passer par le menu en fait. Genre menu, faire cuire et tout ça. C'est un peu plus long et honnêtement c'est un peu la façon comme on faisait avant. Avant qu'ils mettent à jour leur système de... Enfin quoi que non. Qu'est-ce que je raconte. J'ai toujours eu l'habitude de faire ça. Ça va juste plus vite et c'est plus intuitif et ça fait plus... à la limite genre... roleplay, genre réel. Ah, vous voyez? Froid, froid. Non, il y a toujours ce bug. Il y a toujours ce bug. Donc faut faire attention. Ils sont pas froids, ils sont chauds. Donc ne pas les mettre sur le feu, sinon ça les brûle. C'est pas... c'est bizarre. On va peut-être pas tout boire. On va garder ça de côté. 39 minutes. Donc ouais, on n'a pas grand chose à faire. On n'a pas grand chose à faire ici. Ah, très bien. Ah là, grand appétit hein, quand même. 3 steaks comme ça d'affilée. Moi je les mange pas hein, perso. Faut toujours essayer d'optimiser votre temps. Aussi, par exemple, vous avez vu que là, on a genre 4 ou 5 minutes de cuisson. Au lieu d'attendre bêtement, ben, on recycle des torches. Ça fait 2 minutes à chaque fois, ça fait des bâtons. Chaque fois, on essaye d'optimiser le temps au maximum. En intrus, en tout cas, faut vraiment faire ça. Hop, très bien, très bien. Il y a encore 3 heures de feu. Donc, honnêtement, c'est tranquille. Je fais toujours des steaks de 1 kg et tout aussi, exprès. Donc là, on est un peu sur la route. On a le feu ou pas? Ok, faut regarder. Ouais, on est toujours dans le feu, ça va. Faut regarder le. Si jamais on n'a pas froid, parce que sinon ça peut être dangereux. On aurait pu faire. Il fait très beau en plus, on aurait pu faire un feu avec la loupe. Honnêtement, on aurait pu économiser une allumette, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Ah, on va tout boire. J'aurais dû prendre de l'eau, j'ai pas pensé à prendre de l'eau. Encore 10 minutes. Et je pense qu'on va partir. Donc comme j'ai dit, je pense qu'on va partir du même endroit. Ah oui, un truc que je vais faire aussi, c'est ça. On va partir du même endroit qu'on est venu, donc on va reprendre la corde. On va reprendre la corde, peut-être. Toujours rester accroupi. Parce qu'après, en fait... Si on prend pas la corde, il faut partir dans les montagnes. Honnêtement, ces montagnes-là, elles sont super relou. Je suis pas super fan. Enfin, quand il fait beau comme ça, ça va, c'est facile à trouver. Mais on est super exposé, donc on va devoir combattre énormément de loups gris. C'est pas vraiment très très intéressant, honnêtement. Enfin, c'est fun, mais bon... si on peut éviter, pourquoi pas. Et si on repart par la... la corde, on va pouvoir dessiner un peu mieux l'endroit parce qu'on sera surélevé. Vous savez, plus vous êtes haut et plus vous dessinez loin. Ah, donc ça m'intéresse pas mal. En fait. De pouvoir faire ça. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, bah, il n'y a pas grand chose à faire. Dans cette zone. Vu que c'est la deuxième fois qu'on y vient, on n'a pas grand chose à faire.
Après, on pourrait vivre ici. On pourrait complètement vivre ici. C'est vrai que niveau nourriture, c'est super simple en fait. Parce que les loups gris, honnêtement, ils ont pas l'air. Ils sont. J'ai plus peur d'un loup normal que d'un loup gris, mais à mon niveau. C'est-à-dire que bon, on a archerie niveau 5 et tout ça. Pourquoi? Parce que là, ce qu'ils vont nous faire, en fait, c'est des petits coups à chaque fois, s'ils nous foncent dessus. C'est vraiment des tout petits coups. Et c'est pas extrêmement. Ça fait pas extrêmement mal, c'est pas extrêmement dangereux. J'ai envie de dire. Alors que si un loup vous fonce dessus, vous saute dessus, un loup noir, là, joueur, un loup normal, ça va sûrement vous détruire les vêtements et tout ça, et c'est extrêmement chiant. Le vent se lève, c'est pas bon signe. On va rester avec mon pied. Pourquoi je brûle ? Où est-ce qu'on pourrait aller après ? On pourrait aller là-bas, le long de cette route, pour voir ce qu'il y a. Oh merde. Ça va, on est encore immunisé. Et il y a ça, le fait qu'ils aient peur, parce qu'on doit encore avoir, on va appeler ça genre l'odorat du meurtre. L'odorat du meurtre des groupes de loups gris, quoi, en gros. Donc ça va. Donc on risque rien. On a encore 49 minutes. Ce qu'on va faire, c'est. On va aller là-bas. C'est un peu froid. Tout ça pour dessiner en fait. Très bien. Un peu de vent, ce qui est chiant. C'est bon, il s'est calmé le vent. Je voudrais juste dessiner en fait. On va se mettre là. Ah, c'est pas mal. J'essaye de regarder un peu où est-ce qu'on peut. Parce que nous on avait fait ça là-bas. Pareil là. Après on avait fait. On vient de là. Ouais, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Mais j'ai envie d'aller dans ce chemin-là. Là. Genre tout au fond, voir ce qu'il y a. C'est sûrement un cul-de-sac, hein, parce que normalement c'est un cul-de-sac cette zone. Hein. Il y a deux entrées et c'est tout. 15 minutes. Normalement, il y a deux entrées, basta. Cric lugubre. Donc comme j'ai dit, il y a l'entrée de Muskegmorn et il y a l'entrée du ravin. Et basta. Là, il n'y a rien du tout. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ils ont parlé d'une nouvelle région qu'ils allaient rajouter. On n'a pas de date. On n'a pas de date. Donc, j'aimerais bien, en fait, garder cette survie pour les nouvelles régions qui arrivent. Il y en a un là-bas. Pour la nouvelle région. Comme ça, on pourrait directement y aller. C'est un peu comme, par exemple, avec Milton et tout ça. Moi, j'ai mis énormément de temps, en fait, à aller à Milton. Parce que, du coup, ils avaient rajouté, genre, je crois qu'ils avaient rajouté le nouveau système de feu. Et je me disais, du coup, on va refaire tout depuis le début. C'est plus intéressant. Et du coup, en intrus, c'est long. En intrus, c'est long d'être équipé. Et du coup, moi, j'ai vu Milton assez tard. Donc, je voudrais pas, en fait, recréer ce problème-là.
Ah, il y a un lapin là. Non, ça. Je savais pas qu'il y avait des lapins. On va les prendre. Ok, très bien. On va ranger, ressortir l'arc pour qu'elle utilise la flèche qui est abîmée. Donc du coup, ça serait plus intéressant en fait de garder une partie avancée pour aller dans la nouvelle région. Comme ça on fait le tour de la nouvelle région. On prend les lapins parce que les lapins on peut utiliser leur peau pour nos vêtements. Les loups, on s'en fout, parce qu'on a rien de loup sur nous. Ça aussi, c'est un truc pas mal, ils auraient dû faire, que je viens d'y penser maintenant, et je pense pas en avoir parlé en plus. Mais c'est tout bête. Ah, des vêtements en peau de loup gris, avec des stats différentes. Ça serait vachement bien. Ils auraient pu faire ça. Parce qu'on est d'accord que ça donne une fourrure de loup. Attendez. Je sais qu'on a plein d'eau, mais... On va mettre genre un litre. 20 minutes, ça fait 40 sûrement. On va quand même garder l'arc à la main. Mais on est d'accord que... Putain de merde! Vous voyez que quand on est accroupi, il nous détecte en fait très peu. Et c'est encore pire quand on est en vitesse accélérée comme ça. Donc, il m'a fait peur ce con. La vache. Mais on est d'accord que... Ouais, fourrure de loup. Vous voyez que ça, ils auraient pu faire quelque chose. Ils auraient pu faire en sorte de... De donner quelque chose de spécial en fait. Bon, on va commencer à partir. C'est bon, on va commencer à partir. Ça va être un peu lourd. Ça va, on est rapide. Eau potable. This pack is getting too heavy to carry. Ah ouais, du coup, il va falloir qu'on se retape le chemin, non? Y'a aucun moyen plus simple d'aller Je suis sûr qu'il y a un moyen plus simple. D'aller à la raffinerie. Enfin la raffinerie, l'endroit où on était là. Où, la forge. Y'a pas un moyen plus simple. Là c'est vrai qu'à chaque fois on doit faire le clown là sur le bois et tout. Pas vraiment de... Ah non, si, on a de l'eau. Ah, mais on va pas dormir, on va pas faire le tour parce qu'on est très lourd. Donc ce qu'on va faire... On va peut-être dormir là. Ce sera plus simple pour nous. Dormir ici. Ah, j'aurais dû garder la torche, je suis bête. J'aurais dû complètement garder la torche. Je sais pas où sont les lits. Non, j'ai trouvé un lit. Parce que, attendez, on est à 52 kilos. Alors, il y a la peau qu'on peut balancer. Ouais, mais c'est pas assez non plus. Donc ça sert un peu à rien. Non, c'est juste qu'on a beaucoup de nourriture. Ah bah, on va faire passer le temps en faisant ça.
déjà. Comme ça, on pourra dormir. Et il sera le, on fera, ce sera le jour. Ce sera un tout petit peu moins lourd aussi. Attendez, est-ce qu'on met un bain, faut qu'on boive un peu. Très bien. Normalement, le mieux, ce serait de... De faire genre boyau en premier, ou alors... ou alors peau en premier, après les mettre par terre et faire le reste et tout ça. Mais bon, on n'en est plus à ce point-là. Voilà, il reste la moitié de la nuit, donc c'est très bien. On va en profiter, on va faire... Tac, tac. Tac, tac, tac. On va manger. Est-ce qu'on avait commencé un steak? Je crois l'avoir fini. Ouais, c'est bon. Très bien, on va pouvoir dormir. Au maximum. Là, on y fait presque soleil. On voit un peu les choses. Mauvais état. On pourrait le prendre, ça. C'est vrai qu'il y avait des choses qu'on a sûrement dû laisser. Genre des nourritures qui étaient périmées. Qu'on n'a pas mangé à l'époque parce qu'on n'avait pas cuisine niveau 5. Mais maintenant, c'est vrai qu'on peut les prendre. Donc, ouais, ce serait pas mal de regarder un peu ce qu'on a laissé. Un peu, je crois qu'on va casser une étagère ou un truc pour faire passer le temps. Je vois pas, chaise. Voilà, très bien. Très très bien. Ah bah. Oh wow! C'est brûlé. Attends. Ok. Wow, ok. C'est vrai que nous, on était sûrement resté plus longtemps ici que dans la forge, que la forge, on pouvait pas y rentrer. Un balai, coucher. Ah cool, intéressant. Donc on a ces bouts de bois. On pourrait les prendre. On va les prendre avec nous. On va les prendre avec nous. On pourrait en faire des fûts de flèches. Par contre, est-ce qu'on peut faire des fûts de flèches aux établis là-bas? Parce que les établis là-bas, j'ai pas vu. J'ai pas vu si on avait. Genre comment dire. Les choses normales en fait, le craft normal. Est-ce qu'il y avait que les balles ou alors il y avait le craft normal aussi? Donc on va prendre ça. Par contre, j'ai du mal avec la lightbox. On va devoir faire un tri. Bon, honnêtement, les pots de loup, on n'en a pas besoin. À la limite, il n'y a que... Ouais, mais il nous faudrait des... Je crois qu'il nous faut aussi des boyaux. Même si ça n'a aucun sens. Coudre avec des boyaux, vous imaginez coudre avec des boyaux? Alors je sais que les boyaux c'est très solide apparemment et tout ça, mais il faut... Mais enfin je sais pas, avec les boyaux on peut faire du fil dans le jeu. Donc pourquoi pas utiliser le fil? Vous voyez ce que j'ai? C'est un peu étrange. Bref. bref. Bon, y a rien d'autre. On a des vieilles chaussures, on pourrait les prendre pour le cuir. Ah c'est bien ça le coup du... C'est vachement bien le coup du... des bois là, des bouts de bois. Cela, on n'est pas venu pour rien en fait. On n'est vraiment pas venu pour rien. On est à 49 kilos. On peut sprinter, on est assez mobile. Par contre, si je prends les chaussures... Je voudrais récupérer quand même le bois. Non, on va voir.
De toute façon, il faut juste qu'on monte et après on est bon. Ah non, il faut passer la corde, non? Par où on passe? C'est pas que la corde, je suis pas complètement con. Putain, j'ai pas de mémoire. Il y a bien un autre passage que la corde. On est d'accord, on peut pas. Ouais. Genre il faudrait aller là en fait. J'avoue qu'à chaque fois, oui, si c'est la corde, c'est chiant. Oh la vache, on n'a jamais fouillé ça. Pourquoi tout ce bordel? Oh non, c'est ballot. Ça va, on risque rien. Par contre, c'est un peu con ce que je fais parce que là on est en train d'avoir froid. Ça me rend fou. Peut-être que c'est un peu débile ce que je viens de faire. Tout mettre comme ça au même endroit. Après on va revenir. Ouh là là, ça commence à m'énerver. Trouver un autre moyen parce que là je suis sûr qu'il y avait un autre moyen. Parce qu'en plus on est forcé à faire tout le tour. J'ai froid, c'est vraiment con ce que je suis en train de faire. Ce qu'on va faire après c'est genre vider notre sac et récupérer toute la nourriture et refaire un tour. Refaire un tour. Comme ça, on prend toute la nourriture. On peut se bouger. Genre là, on peut pas rentrer dedans. Parce que là, on a quand même... Ça va un peu froid. Genre, il n'y a pas un moyen d'ouvrir les portes ou un truc comme ça. Je sais pas, ça me semble bizarre. On doit toujours prendre la corde. En plus là, normalement on devrait aller en arrière, on devrait aller de ce côté-là, mais là on fait vraiment tout le tour du coup. Je vois pas d'endroit en fait pour monter. Non, ouais, je pense que c'est vraiment la corde. Là on peut pas monter. Non.
Ouais, non, c'est vraiment que la corde, apparemment. C'est bête. On va aller voir si j'ai fouillé ce sac. Il faut, j'ai jamais fouillé. Ouais, non, il tourne aussi. C'est quand même un grand bordel hein, pour y aller. Ouais, ça y est. Ouh la vache. Oh! Ouh, ça fatigue. Ça fatigue ce vent. Alors, on a. Je sais pas s'il faudrait le mettre là en fait, l'avion. Genre à l'extérieur, vraiment à l'extérieur. On va faire ça. On va manger ça. Honnêtement, je le mange parce que normalement on devrait le garder parce que c'est quand même 300 calories pour à peine 10 grammes. C'est pas énorme. Mais c'est parce qu'il y a une grosse croix rouge dessus. C'est moche. Enfin, c'est mauvais état quoi, c'est périmé et tout ça. Donc c'est moche, donc j'aime pas le garder. Ça, est-ce que ça... C'est ça, je termine à 8%. Du coup, ça marche pas là. D'accord. Ouais, très bien. Je sais... Oui, normalement, ça marche pas ici. Faut qu'on le fasse là. Je crois. J'ai un doute si ça marche. C'est considéré comme un intérieur. Je sais pas. Je ne sais point trop. Bois aussi, si on peut les utiliser ou pas. Comme ça. On peut faire des fûts de flèche. Comment ça, t'es à 100%? On a utilisé le couteau pour faire deux steaks. Non? Pour récupérer les steaks, les premiers steaks, genre 9 et 2. Bon. On va faire des fûts de flèche parce que c'est plus facile à transporter. Puis de toute façon il fait un temps de merde, donc j'ai pas envie de me taper la tempête encore. Ça a l'air d'être un tout petit peu mieux. Ici, ça peut vraiment être notre base. Hein. Honnêtement, on est un peu tout de qui est proche. Ah, et c'est très très safe en fait parce qu'on peut pas, les loups ils peuvent pas venir. Donc c'est super super safe. C'est ouais, non c'est méga safe. On va mettre ça là, on va mettre les fûts de flèche. C'est bon, c'est là. Ok, on les prendra après. C'est un peu chiant. Les fûts de flèche, c'est un peu relou de les mettre par terre comme ça. Faudrait des. Là, on a des tiroirs. Mais c'est pas grave, bon, on verra ça plus tard. C'est très bien comme ça. Alors, comme j'ai dit, il faut que. Ça, il nous faut un peu plus de place. On va manger ça.
voir. On va jeter toute l'eau. Alors... Hop. dix kilos. Ouais, non, c'est bon, on peut. Je pense qu'on est bon. Je pense que les modes de l'eau, elles vont revenir dans pas longtemps. Je le serais même... Ça me surprendrait même pas qu'elles reviennent maintenant, genre si on croise un loup. Donc on va essayer de se bouger les fesses. On prend tout ce qu'il y a par terre et on monte. On monte la corde direct. Je suis obligé de faire le tour comme ça à chaque fois, parce que c'est aussi un peu relou. Tout est relou hein, en fait dans cet endroit. Bon, c'est un peu chiant, c'est vrai que le parcours... Ah, on va regarder les voitures et tout aussi. C'est vrai peut-être que je les ai pas fouillées. C'est vrai que le parcours est relou, mais bon, après c'est vrai que c'est protégé. C'est ouvert, donc je... le capot est ouvert, donc on a sûrement fouillé. Ok, très bien. On a sûrement fouillé quand même pas mal de choses, hein. Je vais pas dire le contraire. Ça, on peut pas l'ouvrir, non. Après, il y a toutes les caisses qu'on pourrait... Ah, il n'y a pas de batterie, mince. Toutes les caisses qu'on pourrait casser. J'ai pas enlevé le pied de biche. Non, mais ça, de toute façon, on avait fouillé. C'est vrai que les caisses à casser, là, celles-là, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Peut-être 10 kilos, c'est peut-être pas assez. J'avais pas compté le bois, en fait. Ouais. J'avais pas compté le bois. Non, attends. Tout petit peu merdé. C'est de l'eau potable, ça? Ouais. Oh waouh! What? Sans déconner! Nobody needs this anymore. Sans déconner! Même un lit et tout. Tu peux fermer la porte et protéger des loups. Oh, mais c'est... ça tue? Putain, honnêtement, c'est un endroit... C'est mieux ici que... Que de devoir faire tout le tour. Attends. Oh, mais c'est top! Par contre, deux fusées nautiques, honnêtement, ça c'est vraiment top. J'avoue que
J'avoue que c'est assez, assez impressionnant d'en trouver deux comme ça côte à côte. En plus, c'est, je crois, je sais pas si ça compte comme si c'était en intérieur ou en extérieur. J'ai envie de dire que ça compte comme si c'était en extérieur, vu la température qui est pas très très élevée. Donc ça serait vraiment pas mal. Il y a plein de palettes. Ok. On n'a pas d'ouvre-bois, donc on va pas ouvrir ça. Sinon elle va utiliser le couteau. Ah oui, c'est vrai qu'on m'a dit... Pff, oui, on pourrait faire ça, genre... Hop. Comme ça, elle le fait à la main, en fait. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Parce que je crois que même si on est à cuisine 5, normalement, vous perdez aucune calorie. Si vous forcez les conserves, vous perdez 0 calories. Bon, par contre, je crois qu'on récupère pas ça, en fait. La conserve recyclée, on la récupère pas. C'est ça, ça c'est celle que j'avais, je crois, sur moi. Bah, du coup, c'est le seul problème. Mais par contre, elle va quand même utiliser des outils. Si je dis pas de bêtises. Elle va quand même utiliser des outils. Donc ça, c'est un problème. Bon, ça c'est bien, on est à 41 kg. Ah, quel idiot, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pourquoi j'ai pas enlevé plus de poids en fait, tout simplement? Un kilo. Ouais, ça va, ça passe. Je vais garder ça ouvert. Ah, la vache. Vous avez vu? Il est juste là. C'est vrai qu'il a pas fait de bruit, parce que vous savez, au début de l'épisode, je parlais des bugs et tout ça. C'est possible qu'il y ait un bug, hein. C'est possible que les loups ne fassent plus vraiment de bruit, c'est un peu étrange. J'avoue que c'est possible. Bon, on a récupéré toute la nourriture, c'est bien. Ouais, non, c'est vrai que c'est relou hein, quand même de faire à chaque fois le tour, hein, j'avoue que c'est pas idéal. À la limite, c'est quand même mieux de l'endroit qu'on a trouvé, c'est quand même le mieux. Mais par contre, il faudrait genre tout transférer, ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce qu'à chaque fois, il faut faire tout le tour pour rentrer. Ça va nous prendre énormément de temps de tout transférer juste là. Enfin, quoique, on n'a pas besoin de... prendre des corps, donc on pourrait être surchargé. On pourrait être complètement surchargé et tomber en fait. On pourrait faire ça. Et après, si jamais on doit aller à la forge, par exemple s'il y a une aurore boréale et qu'on doit réparer nos outils et tout ça, on sort et on prend directement la corde. C'est pas mal. Ouais, on pourrait déménager. Ouais. Par contre, j'ai vu que c'était pas extrêmement chaud en fait, non? Si, je sais pas. Enfin, avec nos vêtements, ça doit passer.
Là, en face de moi, genre là, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit de l'herbe. Ou un poisson qui s'est échoué, ou alors du bois. Pas trop sûr. Ça a l'air d'être un morceau de bois. On va voir, on va voir. Ce qu'on fait, je veux dire. Ouais, mais sinon ça va être la fin de notre petit épisode. Bah du coup, on n'a pas fait grand chose. On a fait un peu de la farm, genre récupérer de la nourriture et tout ça. Ce qui est utile déjà. On a dessiné aussi, on a un peu dessiné. Donc je pense que la prochaine fois va être le dernier épisode ici. On va aller un peu sur le côté gauche, là, comme j'ai dit. Visiter, voir un peu ce qu'il y a. Mais sinon, je crois qu'on a fini. Hein. On a fini ici. Ouais, enfin, on va être à 50 kilos plus, je pense, avec tout ça. Je crois qu'on va être facilement à 50 kilos plus. Est-ce qu'on bouge maintenant ou pas? Ah oui, il y a un problème, c'est que on n'a pas la forge. On n'a pas les établis, pardon. On n'a pas accès aux établis directement. On va peut-être faire tous les fûts de flèche maintenant et on va voir si on déménage ou pas. Sinon, on déménagera la prochaine fois ou alors on se casse. Encore une fois, c'est pas vraiment la zone où on va rester 5000 ans non plus, comme j'ai dit. Je sais plus vraiment s'il y a un autre endroit avec un établi, je crois pas. Je crois pas. Je l'ai fait maintenant, les fûts de flèche, parce que c'est un tout petit peu... un peu moins lourd. Si je dis pas, genre 37-75, on va gagner 10, 0-10 ou un truc comme ça. Je dis quoi, 37-75? Voilà, 36-70. Et puis surtout, c'est qu'on peut. Donc comme ça, on n'a pas besoin de le faire à la maison. C'est surtout ça, en fait. Puis c'est vrai qu'ici, on peut pas dormir. Je dis pas de conneries. Il y a pas de... Non, on utilise notre lit à nous, notre sac de couchage. On peut faire une flèche. 1h15. 1h05. Enfin, 1h30, quoi. Non, on va pas le faire. Ouais, par contre, ça, on est obligé de le laisser là. Ah non, si, on peut le prendre avec nous. Parce que on n'a pas besoin d'établi pour ça. Par contre, elle est super fatiguée déjà. C'est embêtant. Oups. Ça, on va le laisser là, parce que de toute façon, ça va être trop lourd. Alors, est-ce qu'on va réparer notre... On n'a pas de métal sur nous. Est-ce qu'on va réparer nos outils avant de partir? Honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup. J'ai peut-être envie de voir. Il nous faudrait du métal, par contre. Alors... Il nous faudrait un tout petit peu de métal... mais là on va être bloqué si jamais il y a une aurore boréale. Ce que je voudrais faire en fait c'est prendre un peu de métal et putain mais 2h20, dormir un peu et voir si jamais on peut utiliser la foreuse. Non, c'est pas la foreuse, la fraiseuse, pardon.
pour réparer nos outils, puis après on se casse. Oh la vache. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, on voit rien. Attendez. Un test. Non, on voit rien comme ça. J'ai fait de la merde. Ouais, non, 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 vas-y, allume, allume le truc que qu'on bouge. Pourquoi il faut l'allumer? Parce que si jamais... Ok, très bien. Si jamais on est sur un câble et qu'il y a une aurore boréale à ce moment-là, on brûle, ok? Donc non, c'est pas grave. C'est une allumette, ça nous sauve la vie. C'est une allumette d'utiliser, mais si jamais on est dans le noir sur un câble électrique et qu'il commence à faire du... Ah putain, on aurait pu prendre ça aussi. Une aurore boréale, c'est la fin là, c'est la mort là. Donc, hein, tant mieux. Tant mieux d'utiliser une allumette. Ça veut rien dire de dire tant mieux. Ok, ça va. Je vais juste un peu vérifier là. Je crois qu'on va arrêter l'épisode là. On déménagera la prochaine fois. Je suis sûr qu'on y allait là, juste pour vérifier. Ça m'étonnerait qu'on trouve des choses. On a beaucoup de... Ouais, on était arrivé quoi? Avec un seul, je crois. Et on ressort avec 5. Donc ça, c'est très très bien. On va les garder de côté, on va rentrer avec. Alors là, je suis en train de me dire peut-être qu'on va être trop lourd. C'est possible qu'on soit trop lourd pour partir. Et du coup, pour prendre les cordes. C'est possible, c'est fort possible. Donc, on va voir. Donc peut-être qu'on va repasser par la grotte. Il va falloir que je regarde le chemin parce que je me rappelle plus vraiment. Donc, ouais. On verra ça. Avant qu'on s'arrête, je vais juste dormir genre 5 heures. Juste pour voir si la fraiseuse fonctionne. C'est une fraiseuse, hein, c'est ça? Normalement, c'est pour faire des trous, c'est pas pour réparer. Enfin, c'est pour manipuler le métal. Ouais, non, c'est pour faire des trous. Non, je pense pas qu'il y aura d'aurore boréale. Non, je pense pas. Bon, c'est pas grave, on va dormir, on va arrêter l'épisode là. La prochaine fois, je me le noterai. On va déménager à l'endroit où ce qu'on a vu avec la porte. Juste pour faire un camp, voilà, parce que vous avez vu que là, le camp, il nous a quand même bien aidé. Hein, le fait de revenir ici avec, avec de l'eau et tout ça, ça nous a vraiment aidé. On va faire ça. Ok. Mettre ça là et on va laisser genre ouais. Si jamais on revient là on aura de l'eau, de la nourriture, une bombe de peinture. Enfin, quoique la bombe de peinture honnêtement je préfère la garder. On va les échanger. Ouais, très bien. Je sais pas si on prendra plus d'eau, mais ça on le prendra, ça on le prendra. Les chaussures, il faudrait les détruire aussi. Enfin bref, on va voir ça.
Donc on va dormir et ce sera la fin de notre épisode. La prochaine fois, comme j'ai dit, on déménage, puis après on partira, on ira sur le côté gauche de la map, juste pour te voir un peu. Puis après on partira de la zone. Et du coup ce sera sûrement par la grotte et pas par la corde, comme j'ai dit. Voilà, à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé, ciao ciao.